mardi. Mardi soir, il est vendu. Bon, on y va? Ça fait une heure que vous êtes scotché, là. Faut changer de chaîne à un moment, là. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Et même une certaine violence. Je trouve très touchant aussi. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc? Mais ça coûte combien, ça? Je crois qu'il est à 30 000 euros. Je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous allez pas acheter cette croûte-là à 30 000 euros? C'est pas possible, ça? Ah bah si, si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros. Dites-moi, Adris, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Je sais pas, c'est un business? Non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Hein. Je vous mets même du beurre bonus, si vous voulez. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien, quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Allez. Elle est chambée. C'est une bonne blague. Ben oui. Allez, pas de bras, Philippe. Je vais la faire à Mark Simpson, c'est dommage qu'il n'y ait pas de public. Pardon, j'ai fait une petite erreur sur le prix. Ah voilà. Oui, il est à 41 500 euros. Je le prends. Ah bon? On ouvre mardi, mardi soir il est vendu. Bon, on y va? Ça fait une heure que vous êtes scotché là. Faut changer de chaîne à un moment, là. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Et même une certaine violence. Je trouve très touchant aussi. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc? Mais ça coûte combien, ça? Je crois qu'il est à 30 000 euros. Je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous allez pas acheter cette croûte-là à 30 000 euros? C'est pas possible, ça? Ah bah si, si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros? Dites-moi, Adris, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Je sais pas, c'est un business? Non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Hein. Je vous mets même du beurre bonus, si vous voulez. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien, quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Allez. Elle est chambée. C'est une bonne blague. Ben oui. Allez, pas de bras, Philippe. Je vais la faire à Mark Simpson, c'est dommage qu'il n'y ait pas de public. Pardon. J'ai fait une petite erreur sur le prix. Ah, voilà. Oui, il est à 41 500 euros. Je le prends. Ah bon? Bon, on y va? Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Et même une certaine violence. Je trouve très touchant aussi. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc? Mais ça coûte combien, ça? Je crois qu'il est à 30 000 euros. Je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Une connerie, ça, Philippe. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien, quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous.